Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être un petit test. Donc j'ai écrit les questions. Donc c'est IICICACNL qui m'a tagué. Enfin, Lina Crossing a tagué IICICACNL. IICICACNL m'a tagué. Donc je sais pas si ça se dit, mais bon, mais je viens. Voilà quoi. Donc je suis pas pro youtubeuse ou quelque comme ça. Voilà. Donc je vais vous montrer les questions. Voilà, donc j'ai écrit pour m'en souvenir. Voilà. Donc, première question. Ton maillot de bain préféré. Donc c'est comme IICICACNL, c'est le maillot rose. Il est très beau. Je l'ai pas. Je l'adore. 2. Quelle est ta tenue que tu mets souvent? Bah, je mets beaucoup cette tenue. Mais c'est un motif. Alors sinon, c'est un motif de Lord Kawaii. C'est ça, regardez mes motifs. Je vous dis, ça c'est moi qui l'a fait. Ça c'est Lord. Une fille, je sais pas c'est qui. Lord, moi. Je sais pas. Moi, et Lord. Voilà. Donc je vais vous montrer la tenue que je mets souvent. Donc, attendez, je la mets et après je vais. Donc, je vais mettre souvent cette tenue. Enfin, je mets souvent cette tenue. Mais là, c'est une robe de princesse. Et je vais décider d'enlever la perruque parce que ça fait pas super bien. Donc, je vais laisser les couettes. Attendez. Et hop là. Donc, excusez-moi, il y a Skype en gros. Donc, voilà, sinon, je prends beaucoup de motifs. Troisième question. Ton fruit de base. Mon fruit de base. Excuse-moi. Mon fruit de base, c'est la poire. J'ai eu une fois une poire parfaite et je l'ai mangée comme une bête. Voilà. Ensuite, quatrième question. Ton habitant préféré. Bah c'est Koaline, c'est un petit koala tout mignon. Dès que je l'ai vu, je vous retrouve. Juste j'ai eu ça que j'ai pris. Bon, je sais pas si ça va servir à voir la vie. Tiens, bah voilà Koaline. C'est un petit koala qui m'appelle ma puce, qui est très gentil, toute douce. Petite musique. Voilà. Ma douce, voilà. Ma puce. Quoi de neuf? Vous êtes? Voilà. Donc, ensuite, je retourne à mon emploi. 5. Que représente ton drapeau? Donc, je vais tout de suite vous le montrer. Donc, voilà mon drapeau. Donc, en fait, c'est du biscuit. Et j'ai mis un petit cœur. Voilà, pour personnaliser. Donc, voilà. Donc, c'est pas. Au début, c'était un soleil parce que ma première ville, je l'ai effacée vu que j'ai trop avancé le jour et j'avais pas la réplique du charme. Voilà. C'était un soleil pour dire la brillanté de Nimrock. Voilà, c'est un peu bizarre. Voilà, donc je vous ai expliqué, c'est un petit biscuit. Voilà, parce que je suis, faut pas le cacher, très gourmande. Voilà. Excusez-moi, mes cheveux passent au-dessus de la caméra. Bon. Ensuite. 6. Noix de coco ou banane sur ton île Tortimer? Banane dans ton île Tortimer, moi c'est noix de coco. J'ai fait pousser un cocotier, si ça se dit, oui je pense que ça se dit. Voilà. Ensuite, 7e question, le thème de ta vie. Donc moi ça doit être plutôt biscuit gourmand. Voilà. Donc, en fait, c'est pas trop représentant ou un peu moderne. Je sais pas, ça dépend. 8e question. Ton vêtement préféré chez Carla. Donc c'est la robe papillon. Je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais la chercher. Je vais vous montrer la tenue que je mets. Que je préfère chez Carla. Donc c'est robe d'été papillon. Et mon vêtement préféré chez les sœurs doigts de fée. C'est soit la tenue d'héroïne, soit la robe de princesse. Voilà, donc je sais pas, je vais chercher celle d'héroïne. Regardez quand on la met, ce que ça fait, c'est juste trop lol.
Hop, hop. En plus, je veux être agent secret, donc voilà. Donc policière, un peu un truc dans l'action du genre. Voilà. 9. Ton méli-mélo. Je vous montre tout de suite. Je suis juste trop contente car je viens d'attraper une tarentule qui me fait trop flipper de ouf. Excusez-moi, j'ai trop peur des araignées en fait. Attendez, je la cherche. Voilà, donc ça donne des frissons. Ça me donne envie de... je suis... Voilà, je suis un peu folle. Donc, je vais vous montrer mon méli-mélo. Attendez, juste, j'ai appris à faire un truc. C'est un peu nouveau. Enfin, c'est pas nouveau du tout. Mais... Attendez. Donc c'est ça. Donc j'ai appris en fait, je savais pas comment on pouvait le faire. Plein de personnes le faisaient. C'est la nouvelle invention du siècle. J'ai réussi à le trouver. Voilà. Ensuite, donc c'était Méli-Mélo. Le super Méli-Mélo. Donc j'ai trop envie d'avoir des galeries. Voilà. Là j'ai envie. Hop voilà, c'est bon, j'ai chargé. Juste, je voulais vous dire, il fait nuit, excusez-moi, parce qu'en fait, il est 22h13. Mais en fait, il est 13h ou 15h à Dallas. Il y a un gros décalage et c'est pour ça qu'il est nuit. Donc, moi, je dors pas encore, mais j'ai pas trop dormi cette nuit à cause du décalage. Je suis un peu crevée de la mort qui tue. Voilà. Donc... question 10, la dernière, excusez-moi. Combien as-tu de roses d'or? Alors, je vais compter tout de suite, ça va prendre du temps. Donc, à tout de suite. Précisément compter, et j'en ai 45, 47 ou 45 roses d'or que j'ai cloné avec Shuki 79, bien 79 sous la chaîne de Sheikawan. Donc juste Shuki 79. Il y a juste une truc qui est trop bizarre en fait. T'es pas très poli dans tes vidéos, voilà. Enfin personnellement moi je trouve pas très poli. Enfin tu dis beaucoup de gros mots, par exemple je prends du piment là dans ton nez là. Voilà, j'ai oublié le mot. Voilà. Et tu te défoules en disant des gros mots, voilà. C'est un peu normal, hein. Moi aussi je crie. Voilà. Attendez, je zoome parce que là on va pas trop malaise. Hop là, c'est mieux, non? Bon, voilà. Donc. J'espère que cette vidéo vous aura plu et dans ma prochaine vidéo, donc si je pense que ça va être dans quelques minutes, hein, j'ai des vidéos toutes les minutes, je vais vous faire un tag et je vais taguer les gens. Ouh ouais. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve. Papa, arrête là. Excusez-moi. La vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo d'Animal Crossing.